أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ما زلنا مع سورة المعارج ووصلنا الى الخصمة الثامنة التي استثناها الله سبحانه وتعالى من الانسان، الإنسان الهلوع، الإنسان الذي إذا أصابه الخير كان منوعا وإذا أصابه الشر كان جزوعا. وذكر الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان مستثنا وهو المصلين، إلا أن المصلين الذين استثناهم القرآن الكريم من هذا الإنسان الضعيف بخلقته لا بد أن تتوفر فيه ثمان الصفات. تحدثنا عن سبعة إلى حدود اليوم، ونقف إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم مع الخصلة الثامنة والأخيرة التي يتميز بها المصلين أو المصلون الذين أرادوا أن يخرجوا من عموم الإنسان ذو النواقص. أنا توجور avec le chapitre 70 et on est en train d'expliquer les 8 caractéristiques que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a citées pour les prières que Dieu subhanahu wa ta'ala a mis en exception de l'état de faiblesse de l'homme en général. Aujourd'hui, inshallah subhanahu wa ta'ala, on va s'arrêter avec la 8e parmi les caractéristiques, inshallah subhanahu wa ta'ala, pour compléter cette, comment dirais-je, vision coranique, si on peut dire, pour aider la personne à se purifier. إذن والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقلنا دائما إن اسم الموصول هنا يعود دائما على المصلين. والذين أي المصلون الذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن بدأ الله سبحانه وتعالى بالصلاة وانتهى بالصلاة، فبدأ بالصلاة صفة معينة هي الدوام، وانتهى بالصلاة بصفة معينة وهي المحافظة. ولا شك أن الدوام والمحافظة أمرين مختلفين. هو ما صلى الله سبحانه وتعالى كموصل لي كاركتيرستيك par la prière ceux qui sont assidus dans leur prière et il a fini les 8 caractéristiques par la prière. Ceux qui font, c'est pas régulier seulement leur salat, mais on dit le hafada dans la langue arabe, hafada ala shay'i wa hafadahu illa protégé. Le hafada ala shay'i, c'est le protégé. On dit le al-mihfada. C'est quelque chose où on protège une autre chose. C'est ça le terme, le mihfada. لذلك فالإمام القرطبي يقول في الدوام يرجع إلى نفس الصلاة والمحافظة إلى أحوالها. الدوام يرجع إلى الصلاة في ذاتها، والمحافظة يرجع إلى أحوال الصلاة. الدوام يعني أن الإنسان يدوم، يصلي دائما، لا ينقطع عن الصلاة، ولكن قد لا يحافظ عليها ويصلي، ولكن قد لا يحافظ على الصلاة وإن كان يصليها دائما.
إذن فلا بد أن نفهم إيش هو المحافظة. Alors quand on dit faire la prière d'une façon assidue, assidûment, régulièrement, ça veut dire faire tout le temps la prière, ça ne veut pas dire qu'on fait la prière avec soigneusement. Ça ne veut pas dire qu'on protège notre prière. Ça ne veut pas dire qu'on fait attention aux objectifs de la prière. Ça ne veut pas dire qu'on fait la prière comme il se doit. On l'a fait, on la pratique. On prosterne, on s'incline. Ça, c'est faire la prière d'une façon régulière, tout le temps, sans arrêt. Mais comment on fait la prière? Et c'est quoi les objectifs de la prière? Et c'est quoi les bienfaits de la prière? C'est ça le muhafaza. Sinon, il y aura une répétition. Allah, il ne va pas le répéter. Da'imun hafidun, il a utilisé deux termes. C'est pour ça que j'ai parlé en arabe. Hafada, c'est protéger. Comment on protège notre prière? C'est pour ça que l'imam Qurtubi, il a dit que faire la prière d'une façon régulière et assidûment consiste à savoir la relation avec la prière dans la pratique. Mais muhafada à la prière, ça veut dire protéger la prière, et consiste l'état de la prière et les objectifs de la prière et les traces de la prière dans la vie quotidienne de la personne. Et dès que يخرج الانسان من هذا العموم الانسان الضعيف لابد ان يكون محافظا على الصلاه. وما معنى اذا محافظا على الصلاه؟ تعرفون نقرا دائما في سوره الماعون: ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الحمد لله رب سبحانه وتعالى لم يقل فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. هناك فرق بين في وعن. الذين هم في صلاتهم يعني الذين يسهون في الصلاة. لو كان الآية هكذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن فقه سجود السهو. إنما يسمى بسجود السهو. والله يقول عن صلاة سهو. إذا ليس المقصود أن يسعى الإنسان ويخطأ في الصلاة. إنما المقصود أن يسعى الإنسان عن آثار الصلاة. يصلي لأن قال فويل للمصلين. المصلين يعني الذين يصلون دائما ولكن يسهون عن الصلاة. يعني عن يسهون عن ماذا؟ يسهون عن أحوال وآثار الصلاة. Quand on lit dans le chapitre les ostensiles, le maroum, vois-tu ceux qui traitent la religion du mensonge? Allah subhanahu wa ta'ala me pose la question. C'est celui qui repose leur foulard et celui qui n'insiste pas à la nourriture du pauvre. Malheur, c'est pire que malheur, hein? Traduit malheur. Malheur à ceux qui font la prière. Hein? C'est pas négligemment comme ça. Dans le sens où négliger la pratique de la prière, mais qui néglige le fait de la prière et l'objectif de la prière. Et par de ceux qui prient pas, on ne parle pas avec eux. Quand Allah dit, hein, الذي لم يصلي لا تتحدث عنه تحدث عن المصلين. إذا فهنا ذكر العلماء أمرين اثنين. الأمر الأول في المحافظة على الصلاة والمحافظة على أركانها وشروطها ووضوئها وطهارتها وكذا. هذه لا بد أن نحافظ عليها الإنسان. قد يصلي الإنسان ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. قال لي: صلي فإنك لم تصلي. يعني أن الرجل صلى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: هو صلى. Vous connaissez l'histoire de le compagnon qui avait fait la prière. Il est venu saluer le prophète. Le prophète, il avait observé comment il a fait la prière. Il lui a dit: refais ta prière parce que tu n'avais pas prié. Mais je venais de faire la prière. Mais il lui a dit: refais ta prière parce que c'est celle que tu venais de faire, ce n'est pas une prière. À troisième reprise, il lui a dit, le compagnon lui a dit: mais c'est ce que je maîtrise. Là, le prophète, il a parlé de la première catégorie d'autres. On parle de la muhafada ala salati. Ida qumta ila salati
فاستوي فاعتدل قائما، فاقرأ ما تيسرك بدأني، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن، وافعل ذلك في صلاتك. En fait, il lui a donné, c'est, tu vas faire la prière. Tu dois savoir que premièrement, tu vas être devant Dieu. Tu n'es pas devant les gens. Alors on commence avec la première chose, l'apparence. Elle est très importante dans la prière. Mais parfois on la néglige. On néglige notre apparence dans la prière. L'un de nous peut faire la prière avec un camis qui foncé, qui n'est pas repassé, qui peut-être avec... Il s'est réveillé pour faire la prière le matin, il est venu à la mosquée, ou bien chez lui avec le pyjama, il avait passé la nuit. C'est mal poli. Ba'dul ulama, yukarrihoun, as-salat fi tawb an-nawm. Certains savants rendent répréhensible de faire la prière avec les habits de, du lit. Pourquoi ? C'est pas n'importe qui que tu vas rencontrer. Tu as invité chez ton voisin, il a fait un mariage, je ne sais rien. Tu vas chercher vraiment à repasser tes vêtements, à se parfumer. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 gens qui vont te regarder comment tu t'es habillé. Et quand tu vas dire devant Allah, Allahu Akbar, avec un pyjama, bien une chemise, bien un costume qui est sale, qui n'est pas. Ça, c'est parmi le Muhammad Allah Salat. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran ? Prenez votre parure auprès de chaque mosquée. Tu viens à la mosquée, ne viens pas comme ça. C'est pas parce que tu vas rencontrer les gens, laisse les gens. Ne regarde pas ce qu'ils vont juger. Mais ne serait-ce que, je parle pas de venir avec un camis ou avec le costume. Viens comme tu veux, mais avec des vêtements propres. Le cas exceptionnel, on n'en parle pas. Tu travailles, tu ne peux pas changer tes habits ensuite de suite. Ça, c'est un cas exceptionnel. C'est pour ça qu'il y a ce qui s'appelle min al-mustahabi ghusl yawm al-jumu'ah. Pourquoi on fait le grand lavage avant de venir au jumu'ah ? C'est celui qui est capable. Parce que c'est le jumu'ah, c'est le jour de fête. C'est... On va dire Allah Akbar devant Dieu. Je donne toujours cet exemple. C'est l'un de nous qui est invité par une personnalité, ne serait-ce que le maire de la ville. Tu vas y aller n'importe comment. Peut-être que tu vas changer trois fois de tes habits et tu regardes le miroir. Est-ce que bien tu s'étais suivi de toi ? Pourquoi ? Parce que tu vas saluer le maire, tu vas rencontrer, tu vas chercher les meilleures cravates, les meilleurs costumes, je ne sais rien, machin, et ainsi de suite. Et tu vas rencontrer une personne. Mais devant Dieu, pour ça, il y a le cas. Ça. Selon l'intention et l'importance que tu donnes à Dieu quand tu vas le rencontrer, il te donne la même chose. Alors ça c'est important. Même si on est à la maison, il faut normalement mettre de côté toujours la camise ou bien l'habit de la prière. Ça c'est pour faire la prière. Je ne fais pas la prière avec un jogging. Je venais de faire le footing, et c'est l'heure de la prière, j'ai fait mes ablutions, j'étais à l'encombre avec le même jogging. Surtout, je suis à la maison. Non. C'est pas n'importe qui devant moi. Le prophète, il nous dit, quand tu dis Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala te donne son attention, tu es en face de lui. C'est pour ça qu'il nous a dit, le prophète, il ne fait pas tourner ni à gauche ni à droite. Parce que là, tu es par respect de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est normal. Et puis, les conditions, les piliers de la prière, tu ne vas pas faire la prière en deux minutes quand même. Prosterner. C'est le prophète, quand il a reproché à son compagnon, repris parce que tu n'as pas fait la prière, ça veut dire quoi ? Il avait fait vite fait. Prosternation, inclinaison, le salam alaikum. C'est pas la peine. Tu vas prier. Prends ton temps. Incline-toi bien, récite bien. Parfois, on récite le Fatiha à un seul souffle. Subhanallah, alhamdulillah, bla alhamdulillah, rahman, rahim, malik, yomkin, yakin, abdu, yakin, sayyid, salat, abu, saqib, salat, alladhin, anta, al-mu, 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 al-dali. Amin. On dit amin pour respirer. Le prophète, quand il récite le Fatiha, il compte 7 arrêts. Alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahman, ar-rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sept fois, il s'arrête le prophète, il nous enseigne comment faire la prière. Tu es en train de présenter à Dieu, ça veut dire c'est louange, c'est remerciement, c'est toi qui nous as fait. Tu vas pas lui dire, oui, c'est toi qui viens, c'est toi qui viens. Ça, c'est le mohammed ala salat. Alors, ça, c'est le côté pratique. Et on doit être assis tout de ce côté. Alors, le côté finalité objectif, c'est l'état de la personne. Quand tu fais la prière, tu sais bien que tu fais des témoignages. Tu dis, Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in. On n'adore que toi seul. On implore le secours qu'auprès de toi seul. Alors c'est contradictoire quand tu dis salam alaikum. Et dans ta vie, tu adores autre chose à part Dieu. Quand tu dis salam alaikum, tu quittes la prière, tu quittes la mosquée, tu adores ton pouvoir. Tu adores ta personne. Tu adores tes origines. Tu adores tes biens. Ça veut dire quoi? Être serviteur à tes biens. Être serviteur à ton origine. Être ça, il n'adore plus Dieu alors. Et quand tu as besoin de quelque chose, plus le secours auprès de Dieu, peut-être le Dieu c'est le dernier, la dernière porte que tu vas toquer. Normalement la première porte que tu vas toquer, si tu as besoin du logement, si tu as besoin de travail, si tu as besoin de la guérison, si tu as besoin de quoi que ce soit, toque d'abord la première porte, celle de Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'un logement. Et après prépare ton dossier, pose-le à la mairie ou à la préfecture ou là où tu veux. Seigneur, j'ai besoin d'un boulot. Et tu me dis chaque fois la nuit surtout. Et prépare ton CV, prépare ton dossier, pose-le à Pôle emploi. Hein? Et dans les boîtes d'intérim. Mais toque d'abord la porte de Dieu pendant la nuit. Quand il dit, c'est mes serviteurs, je suis là, c'est qui a besoin de quoi que ce soit. Utilise ta prière, c'est ça, protège ta prière. Et tu l'utilises. Non, fais pas ça. Ça fait 5 ans que je cherche du boulot. Les portes sont fermées, mais tu n'as jamais toqué la porte du grand généreux qui est capable d'ouvrir toutes les portes. On néglige, c'est ça, négliger la prière et ne pas prendre soin de sa prière. Tu veux te marier? Fais ton enquête, mais Seigneur, accorde-moi une fille pieuse. La fille, tu veux te marier? Seigneur, accorde-moi un garçon pieux. Fais ton enquête, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? Mais c'est lui qui domine le cœur de chacun, c'est lui qui va te guider. Utilise ta prière. Ça, c'est le muhafadha ala salat. Et aussi, au niveau d'éthique, tu as dit salam alaikum, ouais, mais à la mosquée, tu as la haine, tu as la jalousie vers les certains fidèles. Tu as un problème. Hein? Tu as dit salam alaikum, tu reviens à tes péchés. La calomnie, hein? La médisance, le mensonge, il est où ta prière? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wa la ya'lamu ma tasna. Normalement ta prière, il doit t'interdire le mal et le blâmable. Alors mets-toi quand tu veux te prier, tu mens. Il est où ta prière? Et le sens contraire, la prière, quand elle n'interdit pas le mal et le blâmable, elle ne sert à rien. Parce que la prière, son objectif, c'est de nous éduquer. Et de nous purifier. Wa aqimi salata tarafi nahari wa zulafa min al-layl, inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin. Et prie le début de la journée, la fin de la journée, une partie de la nuit, car les bonnes actions qui est la prière effacent les mauvaises. Alors on prie pour effacer, c'est pas on prie pour reprendre les péchés. Et aussi le sens de protéger sa prière.
quand on prie, on gagne des hasanats, certes, n'est-ce pas? Mais quand je me remets au péché, je me remets à la calomnie, je me remets au mensonge, je suis en train de distribuer ces biens que j'ai gagnés à travers la prière aux autres. Alors je n'ai pas protégé ma prière. Normalement, on doit être généreux dans tout, à part la prière. On doit être très radin. L'avarice totale. Ça veut dire quoi? Je donne ma prière à personne. Ce qui veut dire, je mens pas, je calomnie personne, je parle derrière personne, je respecte tout le monde, parce que le fait que de parler derrière quelqu'un, ou de me briser quelqu'un, ou d'avoir la haine contre quelqu'un, c'est je lui donne mes hasanat. Alors je ne dois pas lui donner, je ne parle pas de lui. C'est ça, protéger la prière. C'est vraiment que la prière, normalement, doit nous purifier. À travers la prière, on doit avoir, normalement, une langue maîtrisée. Ah oui, maîtrisée. La vision maîtrisée. C'est ça le muhafaza. C'est pour ça. Alors, pour finir, celui qui veut être à l'exception de l'homme faible, إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير جزوعا وإذا مسه الشر جزوعا. L'être humain en général, il est naturellement comme ça. Quand un bien l'atteint, il est refuseur, il ne donne pas. Et quand il atteint par il est brûlé par un mal, il est ingrat, il est batteur, il gueule. À part, il a le musallim. Il peut regarder. Celui qui veut être vraiment les grands musallim, alladhina hum ala salatihim da'imun. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. أولئك في جنات مكرمون. يعني الكرم مكرمون سبيل. سلا سرّون في regarde في جنات. C'est pas في جنات. في جنات. Dans des paradis. Oui, ils seront très honorés. أكرمه الله. Il a honoré. Il a donné. C'est pas un seul paradis. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. À travers la prière. Alors oui, catégorie, chers frères, chers sœurs, de personnes qui sont à l'exception de l'homme faible. Hein? C'est ceux qui font la prière avec assidûment. Et c'est ceux qui réservent toujours dans leur richesse une partie à ceux qui sont dans la nécessité. Et ceux qui déclarent véridique le jour dernier. Et ceux qui sont un vermisseau, et comme dirais-je, ils ont la peur d'un châtiment de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui gardent leur chasteté, et ceux qui sont fidèles à leurs engagements et leurs dépôts, et ceux aussi qui tiennent soigneusement leur témoignage, et ceux qui protègent leurs prières, ceux-là seront honorés dans tes paradis auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et d'un fa, as-salatu bidayatan, as-salatu nihayatan, fa hayatuna bayna as-salati wa as-salat. تكون قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قل قولي هذا واستغفر الله والحمد لله رب العالمين.